apprenez à marcher seul. Alors ça, 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 ça corrobore un petit peu, ça va dans la suite de ce que je venais de vous dire. Je décide de, de, prendre, cette, je, je décide de prendre cette direction, et ça ne se passe pas aussi facilement que ce que je pensais. Par exemple, l'entrepreneuriat. Il y a beaucoup de gens qui se lancent en entrepreneuriat. Je trouve ça formidable, moi c'est mon truc, mais je ne vais jamais pousser quelqu'un à, à devenir entrepreneur, jamais. Jamais, je ne vais pas pousser quelqu'un à devenir entrepreneur. Parce que c'est dur. Parce que 9 entrepreneurs sur 10 se plantent sur une, sur une période d'une décennie, sur 10 ans. Il y a 9 entreprises sur 10 qui ferment ses portes en 10 ans. C'est très dur, l'entrepreneuriat. Il faut aimer ça, se former pour être dans ce style de vie. Mais surtout, il faut apprendre à marcher seul. Et quelque part... Même si je ne pousse pas tout le monde à, à, à créer une entreprise, quelque part, on est tous un peu seuls dans un défi. Regardez bien, on est tous un peu seuls, on est entouré, mais sans tomber dans euh, l'or de la mort, tu seras quand même seul, même si tu es entouré au lit, c'est toi qui assumes les conséquences, la douleur, personne ne la ressent. Donc, et c'est la même chose pour les conséquences financières. Oh mon pauvre, ma pauvre, c'est pas facile pour toi, non, c'est pas facile. Sauf que c'est à vous d'assumer.